après-midi sur le port. Ce soir, le hasard. Son corps contre le mien. La musique. Ses yeux verts. Il sourit. Il est beau. Pourquoi n'es-tu pas là, toi? Ce soir, j'ai envie de faire l'amour. Souffle le vent, tombe la pluie. L'amour. Passe les jours, passe la vie. Bien calé dans mon fauteuil, je me balance sous les feuilles et je fais des petits bateaux de tes lettres et de tes photos. Tu sais, ce matin, je suis allée sur notre plage. Je me suis allongée sur le sable et j'ai rêvé. Tu sortais des vagues en riant. Tu venais vers moi doucement, sans un bruit. Tu te couchais contre moi, encore ruisselant. And you loved me. Souffle le vent, tombe la pluie. Passe les jours, passe la vie. You loved me. Moi bien calé dans mon fauteuil, je me balance sous les feuilles et je fais des petits bateaux de tes lettres et de tes photos. Voilà, c'est le genre de chanson, c'est le genre de chanson à recette pour l'été. On la fabrique exprès pour l'été parce que les gens ont besoin de rêves. Et on ne s'en remet pas à des spécialistes plus ou moins vieillis dans le genre. Chacun essaie sa chanson d'été. Maurice Buisson, qu'est-ce que vous en pensez et quel est votre pronostic? Ça va marcher? Ça va pas marcher? Avec une bonne promotion, ça marchera peut-être. Mais enfin, pour moi, cette chanson n'a rien de bouleversant. Ok, mais une bonne promotion tout de même, nécessaire. Oui, Julie, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Succès d'estime? Succès? Pour moi, c'est une chanson gag. Donc, deux solutions, où on la prend au premier degré et on se dit qu'est-ce que c'est que ce petit prétentieux inconnu qui veut faire son titre de l'été. À ce moment-là, on préférera Le Dernier Sardou ou Le Slow d'été de Joe Dassin. Lui, il en a déjà fait un. Bon, alors, quelqu'un d'autre. Je suis pas sûr, j'aime bien qu'on surprenne solution. Les gens par des gens nouveaux l'été, moi. Je sais pas. Ouais. Deuxième solution, c'est on la prend comme gag, donc comme une parodie de Slow d'été, et on se dit, après tout, ce type-là, c'est sans prétention, puisqu'il connaît les limites de son succès, ça se terminera à la fin de l'été. D'accord. Dans ce cas-là, bonne fin... chance, Sébastien, ça va bien marcher pendant l'été. Sébastien, parce qu'à la fin de l'été, quelque part, ça devient un énorme tube. François-Patrice, pronostic.
Moi, je crois qu'il devrait passer dans toutes les boîtes de la Côte d'Azur avec les trois filles. C'est pas vrai. Vous savez ce qui vous attend, hein, Philippe et compagnie. Parce qu'elles sont très bonnes. François de Closet. J'ai l'impression que c'est du très bon prêt-à-porter. C'est très bien fait. Mais si jamais il arrive un tube très étonnant, une chanson inattendue, entièrement nouvelle dans le genre, alors ça passera pas. Autrement, ça peut passer, pourquoi pas. C'est très bien fait dans le genre. C'est une... Franck Florence, comment ça peut se passer? Moi, je trouve qu'il y a tous les ingrédients du gâteau au chocolat français, mais je crois pas aux recettes. Croyez pas aux recettes? Non. Croyez à la chose qui surpe. Vous savez qu'il n'y a pas un tube de l'été. Il y a un tube de l'été souvent, mais il y a un tube des de l'été, mais je crois pas du tout qu'on vous donnez une chance le pour faire. Les succès? Dans les succès, mais pas dans le tube. Voilà, mais dans les succès, ça leur suffit peut-être. Docteur Hubert. À mon avis, ça va marcher, ça va marcher. Vous avez la recette absolument complète. L'érotisme, n'en parlons pas. Nous n'avons pas la pointe d'érotisme. Nous avons alors la vaste casserole. Ça bien, va marcher. De toute façon, vous savez, je crois que les auteurs sont ravis. Ils ne demandent pas le tube de l'été, je crois qu'ils demandent un succès. Ça va marcher. Et l'été prochain, ils seront encore mieux prêts. Mais nous le dansons.